Salut, bonsoir Gisèle. Bonsoir YouTube. Voilà, personne ne dérange l'autre. Bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Comment ça va? Et mais regardez, appréciez mes couleurs. Ah oh non, mais franchement, c'est une pure coïncidence, ok? J'ai fait décorer mon bureau et il s'avère que. Regardez, le vêtement que j'ai, ça match avec ce qu'il y a sur mon mur. Franchement, ça, c'est une coïncidence énorme. Bonsoir, le roi Feuillot. Bonsoir, les choisis. Comment vous allez? On va parler argent à nouveau. Donc, je vous rappelle que les chapeaux sont disponibles. J'ai un stock de chapeaux. C'est vrai que ça part vite. Donc, du coup, aussitôt que c'est fait. Et puis, donc, sur celui-ci, il n'y a pas de courrier. Parce que la personne qui a commandé ne voulait pas de courrier dessus. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la reine Rose. Bonsoir, la reine Paola. Voilà. Donc je vois une ici qui dit que le direct la trouve finalement. Bonsoir à la reine Maïmouna. Bonsoir Denise. Pourquoi je veux parler d'argent? Beaucoup de choses tournent autour de l'argent. Et si vous ne faites pas attention, en tant que choisi, vous allez vous retrouver vous serez pauvre. Pauvre mais talentueux. Vous avez les pouvoirs, mais vous n'avez pas l'argent. Attendez, riez un peu. Bonsoir, la reine Maëlys Bourgeois. Bonsoir la reine Maïmouna. Bonsoir la reine Emea King. Bonsoir et bienvenue. Abonne-toi, partage avec tes frères et sœurs. Bonsoir YouTube. Je sais que ça traîne un peu, mais je sais que YouTube va prendre. Donc abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît. Je vais mettre le lien sur YouTube pour vous abonner. Voilà le lien YouTube. Je sais que beaucoup de choisis n'aiment pas qu'on parle d'argent. Voilà. L'argent, c'est l'élément le plus important de cette terre. Autre qu'on dit que non, il y a l'onction, que l'onction est plus importante là. Tu n'as pas l'argent, tu vas souffrir dans beaucoup d'aspects de ta vie. Ah, je suis doué, je suis doué. Même la femme, elle va venir après, va te fuir. Vous croyez que les femmes aiment la pauvreté? Pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en différé. Donc je vais dire bonsoir à ceux qui ont partagé mes vidéos avec leurs frères et sœurs, ceux qui ont partagé leurs vidéos avec leurs bouts. Vous connaissez ce que c'est que le bout, non? Le B. Les B là. Je dis aussi bonsoir aux choisis qui viennent de tomber sur mes vidéos et qui m'écoutent, qui mangent le contenu que je mets en ligne. Voilà. Je vous demande juste d'être persévérant avec vous-même. Ne faites pas comme ceux-là qui viennent, oh, je viens de te connaître, oh oui, oh, c'est 2 semaines plus tard, tu ne trouves plus la personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Ah oh, ouais, tu sais. Ma cousine, l'oncle du frère de la soeur de ma cousine est mort. Pour l'enterrer, il fallait que. Faites attention. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais d'abord prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint.
Jéhovah Shalom, toi qui nous donnes la paix. Jéhovah Nissi, toi qui es, qui étais et qui sera. Je viens à toi ce soir, premièrement pour demander ta grâce, la grâce de pouvoir recevoir ce que tu dis, de le passer à tes enfants. Je viens contre l'esprit de petitesse qui va faire qu'ils veuillent se voir comme des nains. Je demande que tu leur révèles qui ils sont. Tu as dit dans ta parole que nous sommes des dieux. Je demande que tu révèles leur déité à chacun d'entre eux. Et aussi, Seigneur, je demande que, à travers ce que je vais dire, qu'ils puissent se révéler à eux-mêmes. Que le monde puisse les connaître. Je donne toute la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, et je dis amen. Je vais attendre que vous commentiez. Amen. Bonsoir, la reine Nadège. Give me some mercy, mercy, hey, faith. And I keep the faith, I keep running, running, running to you. You can take it all, and you're taking my love. Je suis heureuse, oui. Premièrement, les choisis. Bon, ceux qui se rappellent de la définition du choisi, mettez-la moi s'il vous plaît. Ceux qui sont sur YouTube, je vous en prie, mettez-moi des commentaires. Je ne sais pas pourquoi vous avez de la peine à utiliser YouTube. J'ai beaucoup de choisis qui me disent, oh, YouTube c'est trop compliqué. Apprenez à vous adapter aux réseaux sociaux s'il vous plaît. Donc mettez-moi le commentaire sur YouTube. Un choisi c'est quoi? Je sais que vous aimez ici, venir ici faire la télé. Vous regardez sans participer. N'est-ce pas? Vous voyez mes beaux yeux. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Si seulement vous m'écoutiez, c'est que vous n'êtes plus sur le canapé de quelqu'un là-bas. Si vous m'écoutiez, c'est que ce n'est plus un homme qui paye votre loyer. C'est que tu n'aimes plus 5 000 gens chaque jour. Si vous m'écoutiez, c'est que c'est plus vous, on s'occupe plus de vous. Même ton école, c'est quelqu'un qui doit payer. Ta vie commence à changer en tant que choisi le jour où tu te rends compte que tous les dons que tu dis que tu as. Tu pars à l'église, tu évangélises, tu chantes plus que tout le monde. Si tu ne connais pas convertir tes dons en argent et en service pour l'humanité, tu as échoué. Peu importe ce que tu veux faire sur cette terre, tu as besoin d'argent. Dieu m'a mis l'orphelinat à cœur, je vais faire l'orphelinat. Ok, va tu parler à la terre va dire que je vais te donner le titre foncier, tu vas posséder la terre. Va parler aux papins, les papins vont venir se mettre là-bas. Tout ce que beaucoup de choisis bavarde beaucoup, il va falloir trop. Oui, je comprends, j'adhère à ce que tu dis, tu sais. Bonsoir la reine Marie. Vous adhérez, mais vous avez alors fait quoi? Je ne sais pas si Facebook me voit. Facebook, vous me suivez parce que, ok, YouTube déconne un peu. Vos dons. Ok, Maïmoun a dit, c'est un être qui est doué d'une intelligence et d'un savoir surdimensionnel.
dans presque tous les domaines. Oh, tu l'as si bien défini. Merci pour le partage, Maïmouna. Tu l'as si bien défini. Waouh. Franchement. Bonsoir, Neige Blanche. Tu l'as tellement bien défini. Doué d'une intelligence et d'un savoir surdimensionnel. Beaucoup d'entre vous, vous avez un background religieux. Oh, le Saint-Esprit m'a dit que... Oh, ceci m'a dit que... Et on vous a fait croire que Dieu peut vous parler dans tout. Sauf dans votre façon de vous faire l'argent. Quand je suis arrivée en Angleterre, il y a de cela... En 2008, oui, j'avais 12 ans. 13 ans déjà. J'étais dans une congrégation qui prêchait l'humilité extrême. Genre, je ne suis rien, je ne vaux rien. Et vraiment, si Dieu ne se pointe pas, je ne... Oh, quelqu'un m'a fait un don. Quelqu'un m'a donné 10 euros. Merci Seigneur. Je n'entendais jamais dans les témoignages. Dieu m'a parlé la nuit, m'a donné une idée de business. Je suis parti, j'ai établi. Bam! J'ai fait $1 million. Et quand José un peu venir dit que voilà, vous savez quoi, je crois que Dieu m'a parlé. Je crois que on disait non, 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 tu sais, sister Jocelyn. You know my sister. We are not supposed to... Je me disais, mais si je passe mon temps à évangéliser, et je trouvais que cette évangélisation était agressive. C'est un peu comme si tu pars, tu arrives chez quelqu'un, on a mis un insigne là-bas qui dit ne pas crier. Ou tu arrives dans un bureau, tout le monde est sur son ordinateur. Tu commences à crier, Jésus vous aime. Premièrement, au lieu qu'ils comprennent ton message, ils sont agacés. On se dit... Pourquoi elle vient crier dans mes oreilles? Bonjour la reine Edo. Pourquoi elle bavarde? Pourquoi tais-toi? Non, pas le tais-toi. Je dois payer mes factures. Je ne sais même pas comment je vais faire pour remplir. Je ne connais pas. Tu viens de me dire ah, Jésus, Jésus, Jésus. Je dis vraiment, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est que je sois partie de l'église. Pentecôtiste à un moment que je m'asseyais avec ma Bible moi-même à la maison, je commence à lire et je commence à croire ce que Dieu me disait quand je lisais. Et là Dieu, si vous êtes attentif et regardez, on va voir l'histoire de dans 2 rois 4 avec Élie, pardon Élisée. J'aime beaucoup cette histoire. Parce que voici une femme. Son mari était prophète. Oh. Il était homme de Dieu. Oh. Il passait son temps à... Il était à l'église, il évangélisait, il faisait prier pour les gens. Écoutez l'histoire. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4. On va prendre à partir du verset... 2 Rois 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes, je lis la parole. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc, elle était femme de fils de prophète. Donc, forcément, son mari était prophète. Elle cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Il servait à l'église. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il priait, il jeûnait, il donnait les offrandes. Mais il avait les dettes. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, dis-moi. Qu'as-tu à la maison? J'aime bien cette phrase-ci, cette question.
Qu'est-ce que tu as? Ah ben tu sais Seigneur, j'ai seulement le don où je peux souvent voir le futur. Mais bon, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que tu peux? Je n'ai pas la licence en gestion économique, je n'ai pas la comptabilité, le master en comptabilité, je n'ai pas la licence en droit. Ah moi, je peux seulement interpréter les rêves des gens. Allez lire l'histoire de Joseph. Il pouvait interpréter les rêves. C'est ça qui a fait qu'il devient premier ministre. Bonsoir à tout le monde. Je suis content de vous dire. Cheers to the freaking weekend. Ok. Je me concentre. Ok. Si vous m'écoutez, vous allez accepter l'argent que vous chassez depuis là. Je vous dis, vous écoutez Tata Jocelyne. Même si vous avez 52 ans, écoutez Tata Jocelyne. Parce que vous êtes dans un boulot de merde. Quelque part là-bas en Italie. Quelque part là-bas en Allemagne. On bloque toute votre intelligence. Toute votre créativité. Dès que tu touches ton salaire, d'ici le 7 du mois, il reste seulement 100 euros dans ton compte. Tu as tenu avec 100 euros parce que les factures, les dettes, le crédit, les dettes, c'est parti. Tu penses que c'est ça? Que tu penses que Dieu t'a créé pour ça? Non, soyez honnête. Continuons. C'est ça que je vous raisonnais. Quand il partait à l'église, je voyais comment les chrétiens étaient là. Pauvre, pauvre comme ça. J'ai longtemps fait la pauvreté aussi. J'ai fait la pauvreté longtemps. You know fine. Pauvreté, no fine. You know fine. You know feed me. Merci Sylvie. Bonsoir Olga. Depuis le boulot. Bonsoir Belle Rose. Les reines et rois, bonsoir. J'ai fait la pauvreté longtemps. Après, il dit que il faut aussi que j'accepte un peu. Dieu. What can I do? What do I have in me? Et après, c'est que c'est quelque chose qui est venu tellement facilement pour moi au fil des années. C'est après que je me suis rendu compte que beaucoup de choisis sont là-bas dehors. Vous souffrez. Donc, dès que tu atterris dans le pays où tu es là, on t'a dit que ici, oublie. Oublie que tu peux te faire de l'argent. Oublie. Donc, dans ta tête, tu es déjà comme ça là. Quand on te dit que CDI, quand tu as décroché ton CDI hier, hey, tu as fait la fête. Hey, wouh, j'ai le CDI. Hey, ho. Le jour où tu achètes la maison, tu prends le crédit de 250 000 euros. Tu fais la fête. Hey, wouh, je me suis endetté à vie. Wow. Hey, je vais payer ma maison dans 45 ans. Ouais, Seigneur. Excusez-moi. Et c'est qu'on n'a pas parlé. Et c'est qu'on n'a pas parlé. Ne parlez pas. Faites comment vous avez votre tête. Je vous vois à travers le téléphone. Faites comment vous ça là. Gare quoi, pauvre. Je continue ma chose. Répondez, ne répondez pas, parle, ça va toucher vos cœurs. Bonsoir. Continuons. Élisée lui demande que qu'est-ce que tu as chez toi? Ah, moi, je connais seulement faire les beignets soufflés, non. Je connais seulement faire les croquettes. Moi, je fais seulement le héros. Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu sais, chez les Blancs, ici, là, ils n'aiment pas le héros, hein. Ils veulent plutôt. On veut que tu aies que tu aies le CDI. On veut que tu aies le diplôme en aide-soignante. Bonsoir, la reine Colette Wafo. Je te demande qu'est-ce que tu as chez toi. Judith Colombe, tu n'as pas encore bien vu ton potentiel. Oyoua, tu n'as pas encore bien vu. Tu ne connais pas encore ton potentiel. Si tu connaissais ton potentiel, c'est que tu. Certains parmi vous, vous êtes dans vos boulots là parce que vous ne connaissez pas le potentiel que vous portez. Je prends qui que ce soit parmi vous. Je te mets au challenge. Vous êtes dans la roue comme ça, là, vous tournez, tu tournes sur place. Parce que tu ne connais. Premièrement, tu ne connais pas ton potentiel. Deuxièmement, tu ne connais pas Dieu qui est en toi. Tu ne connais pas ta puissance. Tu ne te connais pas. Ah, elle ne sait pas de quoi parler. Hey, elle ne sait pas de quoi parler. C'est Dieu ici. Hein. On m'a dit que si je n'ai pas le contrat, hein, si je n'ai pas la formation, c'est là. Hein,
Quel commence à vous verser, vous-même vous connaissez. Et pas le roi. Je sais pas, Dieu m'a un peu donné la grâce que quand je suis arrivé en Europe. Première chose qu'on me propose, va finir tes 3 années de tu prends ta licence, tu deviens laborantine. Mon premier stage au laboratoire. Je m'assois toute la journée comme ça là devant la fenêtre. Je prends les sels, je prends les urines, je fais les frottis, je mets sur les cultures, je fais comme ça là toute la journée. Et pas aimé au frigo. Je prends ce qui est au frigo, je sors, je fais comme ça là. Que celui-ci là, il a le chlamydia. Après, il dit que non. And don't for this man. À 20 ans, au fond de moi, je savais que ça, ce n'est pas pour moi. Je suis partie de là. J'arrive en Angleterre. Je vois les gens. 90% pauvres, endettés, souvent sans papier, qui font des conneries pour avoir les papiers. Et ces conneries-là les enchaînent même pendant 10-15 ans à la personne avec qui ils ont fait ces conneries. Mariage, enfant, un enfant c'est la vie. Hein. Tu aimes ce que tu fais, Colette. Tu n'aimes pas encore bien ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, ça doit te donner de l'argent. Point à la ligne. Ça ne donne pas de Dieu encore, pas encore devant Dieu. Tu dis que Dieu change mes goûts. Je te vois, Colette, je vois que tu te donnes des excuses pour rester dans ça. Je ne veux pas dire dans la pauvreté. Tout ce que tu fais que tu n'aimes pas, qu'on te force chaque jour, tu pars, tu fais comme ça, tu ne veux pas. Quand tu vas prendre l'argent de ça, Inobi Sweet. Attendez, j'arrive. Go sob. Voilà, je suis de retour. Qui est parti? Bonsoir Pauline. Go so. Idriss Ochanga. Voyons. Oh, je vais chercher un traducteur badjounais parce que bien sûr vous savez que je peux pas tenir 3 phrases en badjoun. Je vais commencer une phrase et mettre 79% de français, 20% d'anglais, 1% de badjounais. Ouais. Ok. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes en Europe, vous êtes au Canada. Et on connaît tous le système. Même si vous expliquez à quelqu'un qui est au pays, la personne ne peut pas comprendre. You feel trapped. You feel like you're in an unending wheel. Tu es comme si tu étais piégé. Tout l'issue que tu vois et qu'on met devant toi, travaille. Et vous savez qu'il y a des boulots spécifiques. Aide-soignante. Pourquoi tout le monde en Europe fait l'aide-soignante ou infirmière? Pourquoi? Donc quand Dieu a créé 5 000 personnes sur la terre, c'est 8 milliards là. Tout le monde l'a mis et de soignant dans vous. Neige, si tu peux, c'est bien pour toi. Moi, je sais qu'il y a au moins 80% des personnes qui écoutent ici-là. Qui ne peuvent pas. Ok, continuons.
Je lisais mon histoire dans la Bible avant de m'arrêter pour vous parler. Bonsoir YouTube. Bonsoir Popo. Bonsoir le roi Yetedj. On a la certitude. Qui vous a dit que si vous... Écoutez. Si tu arrives au boulot de demain, on te dit qu'on te renvoie. On dit, madame, nous sommes désolés, nous avons... We're laying you off. Bye bye, madame. Tu vas mourir. Vous ne savez même pas qu'on a conditionné votre vie sur le travail. Toute ta tête, là, on a mis ça sur le travail. Tu réfléchis, tu dors, tu manges, tu vis seulement autour de ton travail. Dieu va passer comment pour te parler? Les choisis primordialement, vous êtes là pour créer. Bonjour. Même les Gabonais, là, vous allez comprendre mon patois aujourd'hui. Les Gabonais, vous allez comprendre mon patois. Vous êtes là pour créer. Pas imiter. Pas vous conformer. Pour créer quelque chose de nouveau. Pour que tu arrives en Europe et que tu crois que tu peux créer quelque chose de nouveau en Europe, il faut la foi. Parce que tu vas te dire que même les Blancs eux-mêmes là, que c'est leur pays, qui sont nés ici. Ils sont dedans. Donc moi, je crois qu'elle peut venir d'Afrique comme ça. Là, j'ai dit, ok, une petite femme comme moi, noire. Une femme noire comme moi, elle peut faire quoi? Denis Pacifique, tu sais quoi? Ton processus que tu donnes là, c'est pas comme ça. Tu es né avec une mission dans toi, c'est dans tes gènes. Ça te parle depuis que tu es petit. Ça te parle dans tes rêves. Tu es là, tu dors, tu te vois la nuit en train d'aider les gens. Combien d'entre vous rêvez des orphelinats? Combien d'entre vous? Vous avez les papiers, ceux-là qui sont en instance. Vous attendez qu'on confirme votre orphelinat. C'est parce que vous croyez que ce que Dieu vous a appelé à faire, c'est vous qui devez faire. Dieu n'a pas besoin de vos petits 2000 euros, 2500 euros le mois. Là. Il ne fait rien avec ça. Vous me comprenez? Je suis là pour réveiller les gens qui sont en train de dormir. Comme les témoins de Jéhovah disent que réveillez-vous. Pour nous aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu te connectes avec ce qui est dans ton cœur, ça brûle comme ça là. Combien d'entre vous ont laissé l'Europe ou les papiers de l'Europe pour dire que je viens en Afrique, je m'assois ici, je prends une maison, je lance l'orphelinat? Vous attendez toujours d'avoir l'assurance. Oui, j'ai signé 4 contrats avec 4 maisons qui m'ont dit qu'ils vont me donner le financement pour que je parte. Gna gna gna. Oui, bébé, bien. J'attends le financement. Oui. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup la reine galloise? Je ne la suis pas beaucoup, je ne suis pas trop passée. Je ne suis pas trop les vidéos, je suis toujours en train de bosser. Parce que la mère là, elle ne passe pas de temps à trop. Digo, elle fait d'abord, elle-même elle fait. En faisant, elle bavarde beaucoup, mais elle fait. Donc, elle bavarde en faisant. Comme tu écrases la maison sur la machine là, tu bavardes en écrasant. Elle fait. Faisez. Vous comprenez? Faisez. Vous avez compris? Je veux parler comme ça pour que ça vous réveille. Faisez pour vous. Vous êtes arrivé en Europe, vous avez vu les causes. Vous avez vu comment défendre les gens. Vous avez vu comment monter une procédure. Vous savez combien de personnes sont injustement accusées ici-là dans les prisons. Financement. Si vous voulez l'argent du financement, là, vous allez perdre l'idée du rêve là. Je vous le dis. Si on prend 500 000 euros, on met dans votre main. Vous allez prendre la route des champs. Votre preuve, ce n'est pas le financement. Vous avez besoin de mon pied dans vos fesses. Mais je vous aime. Quand la mère te réveille le matin, tu ne te lèves pas, elle prend l'eau chaude, l'eau froide, pardon. Elle vient verser ça sur toi comme ça. Tu te réveilles du lit en fracas.
Pour que je m'envoie dire, hey, c'est bien, hein? Hey, la reine galloise, c'est bien, regarde ce qu'elle fait. 80% d'entre vous qui regardez, Dieu a mis des projets similaires dans votre cœur. Moi, j'attends d'abord que. Ah, ma trop escroqué là-bas. Vous pensez qu'on a pas escroqué aussi la femme là? Il peut dire que j'écoute 0,5% de ses vidéos. Je ne passe pas sur Facebook. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est que elle a souvent des promesses. Les gens qui me promettent, on ne donne pas. On dit, oh, pas, on va te financer. Après, elle arrive, on ne finance même pas. Finalement, d'autres personnes s'élèvent à la finance. Parce qu'elle s'est levée, elle est partie. Certains parmi vous, quand elle parle, vous dites souvent, oh, ouais, c'est même quel caractère de français qu'elle écrit comme ça. Vous êtes éduqué, vous avez le master du master. Donc, vous avez fini le master. On a fait encore le master de ce master. Vous avez fait. Votre français est moi. Votre anglais est moi. Mais on ne vous voit pas. Tu sais, moi, je n'aime pas les caméras. Tu sais, je veux d'abord que mes enfants grandissent. Tu sais, je veux d'abord payer ma maison. Je veux d'abord faire mes papiers. Je vais vous laver, vous n'avez pas encore vu. Aïe, je vais finir avec vous. Et finirez-vous. Toutes vos excuses que vous me donnez chaque jour là. Quelle parle, ça me plaît moi-même. Hey. Ça me plaît. À au point. Hein? Bonsoir. Vous donnez trop de raisons. Personne qui te finance va vouloir te contrôler. Je le dis seulement gratuitement, for free. That one is for free. Toute personne qui te finance va vouloir te commander. Oh, Dieu a mis une façon particulière de faire certaines choses dans vos cœurs. Certains, vous êtes arrivés en Europe, vous avez travaillé dans des hôpitaux en tant qu'infirmière. Vous avez vu le système de pour traiter les gens. Vous dites, waouh! Je dois faire ça au Cameroun. Viens faire dans un appartement de deux chambres d'abord. Deux chambres, un salon. Viens prendre, tu fais d'abord. Ça va grandir. Vous cherchez à impressionner même qui d'abord? Vous voulez impressionner qui? Qui? Vous-même, vous savez que moi, je finis avec ça. Moi, je ne cherche pas. Aïe. Vous connaissez, non? Vous me connaissez, non? J'ai fini avec vous. Je cherche à vous impressionner que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui me protégez. YouTube, pardon, donnez-moi les likes. Facebook, pardon, partagez ma vidéo. Au moins pour l'autre là, vous n'êtes pas chiche. YouTube, les commentaires ne passent pas ce soir apparemment. C'est comme si les commentaires... YouTube a sa part de phase maintenant. On voit ce nom. Le choisi est un canal. Je voulais enseigner... À partir de demain, je crois que je vais enseigner sur le tableau. C'est dans l'autre salle. Quand Dieu vous crée... J'ai eu tellement l'intuition de partir enseigner sur le tableau aujourd'hui. Mais après, je me suis dit que je maîtrise... Attendez. Voilà. Regardez. Voici Dieu ici en haut. Voilà le besoin ici sur la terre. Bon, Dieu n'est pas en haut. Hein. Il n'est pas en haut là. C'est des realms. C'est des sphères différentes. C'est dans l'apport, la réponse aux besoins, c'est dans le monde de l'esprit. Donc quand je mets Dieu en haut ici là, je mets l'autre ici en bas, je mets le besoin ici en bas, ce n'est pas que Dieu en haut, nous on est en bas, Dieu est dans nous.
et il vous parle chaque jour. Genèse chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 13, 14. Lisez ça. Vous digérez, vous buvez l'eau. Where you are? Donc, il y a le besoin ici en bas, sur la terre. Dieu est ici en haut, en nous. Dans une autre dimension, invisible. Le besoin est visible. Tu vas dans les rues de Douala, les gens le soir, comme ça, n'ont pas à manger. Tu dis, wow, regarde, tu peux à Carrefour, tu vas à Carrefour, tu vas comment j'ai la nourriture le soir. Tu dis, yay, j'ai envie de créer une association comme ça là. On parle à nourriture, on parle à distribuer aux gens. Hmm? Tu as vu le besoin physique. L'idée, c'est là-bas que c'est là, dans la sphère invisible que Dieu te donne. Toi maintenant, toi le choisi. Quand tu dis que tu es spirituel là, vous comprenez non? Écrivez là-bas que Goyou, Goyou. Écrivez Goyou. Même les bassins, les bêtis, écrivez Goyou. Toi, tu es la connexion, le canal, le tube qui passe, qui connecte l'invisible avec le visible. Vous voyez ça? Voilà un tube. Voilà un tube entre Dieu, l'invisible et le besoin qui est visible. Where you are? Oh là là, c'est bon, apoum, apoum. Je vois les gueyou, gueyou, apoum, apoapo. Maintenant, il faut qu'elle donne les coups de patois. Hein. Niveau 0,1. Parce que je crois que c'est mon niveau là-bas, patois. Toi, tu viens. Tu te connectes à Dieu qui est en toi. Ok? Touchez vos deux seins comme ça, là, c'est ici, là, au milieu, il est là-dedans. Je vais enseigner en rien comme ça là pour que ça entre à vous. Comme on dit, Our Father in heaven, heaven is here. Ici là, là. Et quand tu pries comme ça là, tu as une vision, flash, tu vois, idée, l'idée vient. Par la foi maintenant. YouTube, vous ne m'avez pas donné mes likes. Donnez-moi un like en plus, YouTube. Ne soyez pas chiche. Je vais m'en couper, je vais vous couper. Ne donnez pas mes likes, vous allez voir. Je vous supplie. Facebook, partagez mon direct, s'il vous plaît. Ça, c'est le direct des choisis. Bonsoir, la reine Kamga. Quand il met la clim, ça fait le bruit. Et pourtant, j'ai chaud. YouTube, donnez-moi le like si vous écoutez ce qu'il dit. Que ce soit sur le Helele enseignement, vous n'avez pas encore vu. Je ne vois pas les likes de Facebook. Je dois voir vos likes là-bas à Facebook et vos partages. Partagez mon direct. Voilà, YouTube, vous allez partager encore. J'allais éteindre votre direct là. Vous venez ici là où vous croyez que vous êtes vous-même. Bon, continuons. Dieu qui est en toi, qui est toi? Les choisis. Vous êtes Dieu. Je sais que ça c'est mind-blowing pour certains d'entre vous, Jacques. Combien peux-tu que je suis Dieu? Oui. Quand tu prends la parole, tu mets dans ta bouche, dans ta tête, tu la prononces, tu deviens Dieu. Where you are? Ok. Where you? Toi, tu deviens le canal qui va donc tirer les ressources en Dieu pour venir combler le besoin physique. Ce qui fait que ce qui va aider les orphelins que tu as vu là, ce n'est même pas encore ta possession maintenant. Ce n'est pas ton patron là qui va te donner l'argent pour que tu viennes construire l'hôpital ici au Cameroun. S'il faut 2 milliards d'euros, tu crois que c'est 2 milliards là qui va construire? S'il faut construire 10 hôpitaux dans les 10 provinces du Cameroun. Ce n'est pas tes petits 3 000 euros, 2 500 euros que tu as le mois là, 5 000 dollars, c'est pas ça. Tu n'as même pas encore vu. C'est en toi. Le direct, c'est là, si vous pouvez comprendre ça, oh Seigneur, donne la révélation. Oh Seigneur, donne la révélation. C'est pour ça que je prêche chaque soir. Vos yeux doivent s'ouvrir. Tout est déjà là. Élisée a dit à la femme, c'est que tu as quoi chez toi? Il y a quoi chez toi? Elle dit, mais je fais seulement les biscuits, non? J'ai les croquettes là qu'elle fait souvent, c'est bon. Je fais bien le poisson brisé. Prophète Élisée. Je fais bien le poisson brisé. Je fais le ngessam. Je fais le njapcha. Mais je sais pas ce que vous faites.
Peut-être qu'au Canada, personne ne fait le ndiapcha comme toi. Et tu négliges. Est-ce que vous savez quelle est la nourriture en vous que les Blancs n'ont pas encore découvert? Bonsoir YouTube. Les commentaires là, c'est rare aujourd'hui. Hein. Il dit que c'est rare. Ne vous inquiétez pas. Pour que tu puisses prendre ce que tu as déjà chez toi, en toi, que ça rembourse tes dettes, que ça te permette de vivre. Regardez bien ce qui va se passer ici. Cette femme a eu le genre d'argent qu'elle devait manger pour le restant de ses jours. C'était quel genre d'argent qu'elle a eu? Lisons. Bonsoir les rois et les reines qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue sur cette belle page. Je suis la reine Cour. En Badounet, mon nom Badounet, c'est Nyogum. Je suis la reine Nyogum, ok. Ça, mon nom me plaît encore ce soir. Hein. Et il y a... Ok. Au sort, Popon. Où y va? On peut faire les prunes. Hein. On va vous donner les prunes, vous manger. Donc, je suis en train de lire 2 rois, chapitre 4. Donc là, je suis au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle simplifie d'abord. Tout ce qu'elle a, elle simplifie. Après, elle dit que non, attends, attends. J'ai, un petit bouteille d'huile là. Oui, franchement, même quand mon mari était vivant, on ne regardait même pas l'huile là. Hein. Une petite bouteille comme ça là, quelque part là. Oui, j'ai ça. Et Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Donc elle a fait du crowdfunding. Vous connaissez ce que c'est que le crowdfunding? Elle s'est mise au carrefour, elle a dit que j'ai un projet. Je veux vendre de l'huile. Si vous financez mon projet, je vais faire les directs chaque soir pour vous montrer comment l'huile se vend. Je vais vous montrer comment on verse l'huile. Je vais vous montrer comment on nettoie le bol de l'huile. Je vais vous montrer comment on fait frire avec l'huile. Je vais vous montrer comment on fait ceci. Les gens disent, mais ça c'est intéressant. Prends ma boîte, tu peux avec. Prends ma boîte, oui, prends ma boîte. J'aimerais bien voir ça. Donne-moi le nom de ta page, je ne vais pas m'abonner. Elle passe, il partait s'abonner. Ça c'était dans l'ancien temps, mais ils avaient déjà Facebook. Franchement, quand j'enseigne, oh là là, ça me plaît moi-même. Parce que là, c'est pour ça, là, ça me plaît. Oh, pour un gars. Mettez mes cœurs. Maintenant. Je mange mon powerbank. Bonsoir, le frère du roi Fofier. Non, Feuillot. Comment tu vas? Il te voit. Maintenant, chacun lui donne les bouteilles, non? Elle a l'huile à la maison qu'elle n'a pas encore touché. Par la foi, elle part d'abord chercher les vases. Beaucoup! Je suppose qu'elle devait avoir rempli même toute sa cuisine, hein, de bouteilles. Mais elle appelle ses deux enfants. Que venez, on va travailler. On lance notre business. Huile et compagnie, non. Mère et fils, huile, non. Elle cherche le nom de l'entreprise avec les enfants. Bonsoir à vous. Bonsoir à Toutine. Bonsoir Clarence. Maintenant, voici ce qu'elle fait. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
Donc elle rentre à la maison, elle commence à verser. En versant, elle chante. Elle chantait, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, na 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 na. Everse. He has given me victory. Bonsoir Rose. God has given me victory. He has given me victory. Elle avait d'abord 5 litres d'huile. Elle remplit 507 bouteilles d'huile. Avec les 20 litres d'huile là ou 5 litres d'huile. Après, elle se fatigue, elle tire. Allez, alléluia, eh. Alléluia, eh. Alléluia, eh. Quand elle finit toutes les bouteilles, elle a rempli finalement 1528 bouteilles d'huile. Elle dit que, que voc. Lui finit. Toute bête qu'elle était, elle a 5 pièces de sa maison qui sont remplies de bouteilles d'huile. Elle revient encore. Elle ne sait pas qu'elle peut vendre l'huile là. Vraiment. Elle-même là. Hey, la femme, c'était bête. Mais elle était obéissante. En fait, avec Dieu, tu n'as pas besoin d'être trop obéissant seulement à ce que l'Esprit te dit. Elle revient. Alors, elle le quitta. Elle fermait la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. 2 Rois, chapitre 4, verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase, oh. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il lui dit, « Va vendre l'huile. » Elle a maintenant porté sa casquette de marketeuse. Huile. Huile à vendre. Huile, oui, ça vous fait les bonnes nourritures à la maison. Tu veux, madame, 3 bouteilles, tu l'as 500, à 50 000. Huile. Quand vous croyez qu'on a les talents, on se couche à la maison, comme ça, ça vient seul. Mes talents, hein, j'ai dû apprendre à vendre mes talents. Vous voyez ma bouche là, j'ai dû apprendre à parler. J'ai dû apprendre à vendre mes talents. Continuons, comme si de rien n'était. Va vendre l'huile et paye ta dette. Si c'était une dette qu'on voulait prendre à ses deux enfants, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qu'elle devait. Paye ta dette. Sûrement pour vendre l'huile, ça lui a pris même 6 mois ou 1 an pour vendre tout ça. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je suppose que quand elle a vendu toutes les bouteilles d'huile, elle a pris le reste d'argent, elle a encore investi, même encore acheté encore l'autre huile. Du coup, elle a ouvert huile et compagnie. Non. Vente d'huile en gros, non. Je cherche le nom du business de la femme, ça. Bonsoir, Roi Chapi, Ouren Chapi. Vous comprenez un peu le principe que je vous explique? Un choisi se fait de l'argent avec ce qui sort d'ici. C'est ce qui sort d'ici qui te rend riche. Mais tu dois croire. Pourquoi pas te l'avoir demandé les boîtes d'huile aux gens? Il fallait qu'ils croient que l'huile là elle peut vendre. Tu as besoin de travailler comme ménagère quelque part, on lui payait peut-être 30 000 le mois. Et que Élisée lui dise d'aller commencer à demander, emprunter les bouteilles chez les gens. Elle devait forcément abandonner son ancien boulot. Elle devait laisser l'ancien boulot pour se lancer dans le nouveau. Et elle avait même pas ce que le nouveau a donné. Bonjour. Bien sûr, vous savez qu'il y a plein d'histoires dans la Bible comme ça. Plein d'histoires de personnes qui se sont fait des sources de revenus à partir de leurs dons.
Joseph, il pouvait interpréter les rêves. Mettez en ligne, mettez votre business que interprétation de rêve. Parce que vous avez trop d'a priori sur les gens. Vous-même là, vous jugez les gens qui interprètent les rêves, alors que vous-même, vous interprétez les rêves des gens. Vous passez le temps à juger. Moi, je vous dis la vraie vérité. Oh. Celui à qui ça ne plaît pas, on va se séparer seulement. Vous-même, vous chaillez ça, non. Vous chaillez ça. Maintenant, le choisi, le problème de beaucoup de choisis, c'est que votre thermomètre monétaire est abîmé. C'est-à-dire, vous ne voyez pas comment l'argent peut venir vers vous. Quand on fait le calcul ma plan, vous dites toujours que non. On marque le calcul, on marque le plan, tu dis que non. 30 millions. Non. Vous le voyez donc, c'est comme si votre vision de vous-même concernant l'argent est déjà gâtée. Et ça, c'est le plus grand travail qu'il a fait sur vous. On t'a déjà conditionné que tu ne peux jamais avoir plus de 5000 euros par mois. Donc, ton thermomètre financier est conditionné. Il y a les sons que si on dit derrière là, dans ta tête, tu vas dire non. Même si on me donne ça par erreur, on va reprendre. Même si ça tombe dans mon compte bancaire par erreur, il va reprendre. N'ayez pas peur de demander grand, s'il vous plaît. Colette, tu dois remettre la lumière en marche en faisant la prochaine chose que Dieu te dit. Dieu te met à cœur, comme tu as écouté. Commence par faire fuir les beignets, tu déposes ça là-bas dans les magasins. Ça paraît anodin. Alors, je te dis que bon, je vais faire fuir les beignets, qui va acheter? Quand tu pars pour faire les beignets, quelqu'un te dit que j'ai même un business pour importer la nourriture du pays là. Et tu connais 3-4 personnes. Voilà le business qui tombe sur ta main. Tu commences l'autre là encore. 2, 3, 4 mois plus tard, tu tombes encore sur une autre opportunité. Charge 4 conteneurs, tu envoies, on va te donner 100 000 euros. Fais la première chose que Dieu te donne. Et c'est que toi, tu ne peux même pas hésiter. Le roi Feuillot. Tu es prêt. On a, tu es prêt. Bonsoir la reine Dory. La foi se construit par l'écoute de la parole. Et cette parole, ce n'est pas seulement la Bible si. C'est le fait que tu écoutes ce que Dieu te dit dans ton cœur, tu fais. Demain, tu écoutes encore, tu fais. Après demain, tu écoutes encore, tu fais. Après demain, tu écoutes encore, tu fais. Après un mois, tu te retrouves, tu dis, oh, yeah, hey, oh, wow, ouh, ouh, hey, hey, hey.
Come on. Ouh. Tu as fait la semaine, ça a donné 5 000. Tu as fait dans 2 semaines, ça a donné 50 000. Tu as fait dans 2 mois, ça a donné 500 000. Ça augmente parce que tu as fait ce que ça te dit. Ah, moi j'ai fini mon direct. Je sais que vous aimez que je bavarde beaucoup. Ce n'est que l'obéissance, hein, c'est tout. L'obéissance et aussi les principes spirituels. Dîme, fais les dons dans les orphelinages, charité, fais ce que Dieu... Parce que Dieu va te mettre à cœur. Peut-être que tu vas ça le matin, juste simplement l'idée, fais un don dans un orphelinat. Après ça, appelle telle personne, tu donnes un peu d'argent. Dès que tu envoies l'argent le matin, le soir, tu as une idée. Quelqu'un t'appelle, tu sais, il y a tel business. Eh hey, mon frère, si tu fais ça, ça donne là, là, là. 6 millions tombent comme ça, là, le bénéfice. Tac, tu as fait une transaction comme ça en une semaine, 6 millions. Tu reçois 6 millions, bien sûr, tu ne payes pas ta dîme. Ouais, les enfants de Dieu. Vous savez, non? Bon, on a terminé. Ma façon d'enseigner est assez, c'est très subtil. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà des pères et des mères de 45 ans. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous fouetter, je ne sais pas. Vous connaissez déjà ce qu'il dit là. Mais pour vous, c'est qu'il y a encore un petit blocage qui fait que vous pensez que c'est compliqué. Débloquez-vous vous-même, pardon. Faites. Faites. Dites-vous toujours, si on me renvoie du boulot si demain, je fais comment? Ça peut te donner le courage que tu partes finalement du boulot là. Chaque mois, tu dis que je vais économiser finalement. Il y a un problème qui arrive. Donc je vais économiser au mois prochain. Il y a un problème qui arrive. Bon. It was all I had for you tonight. Okay? So I'm gonna go. Passez une très bonne soirée. Au revoir YouTube d'abord. Bon Facebook, mes fidèles Facebookers, partagez mon direct s'il vous plaît. Ne négligez pas ce qu'elle fait avec vous. De toute façon, si vous négligez, on se verra bientôt. C'est moi qui vous remercie, mes chers choisis. Passez une bonne soirée. Donc, les commandes de chapeaux, vous pouvez déjà les passer. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous vouliez commander les chapeaux. Passez vos commandes, s'il vous plaît. Parfois, vous dites comme ça, après, dites que, allez, faites la commande inbox. Après, vous commencez à dire que je voulais bien, mais le diable ne faisait que... Ok, vous passez une bonne soirée.